Let's go, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo ouverture. Et oui, encore un petit duel que je fais aujourd'hui avec ma grand-mère de 6 paquets chaque. Donc on va se trouver cette fois 3 paquets chaque de Extended Obi ainsi que 3 paquets chaque de Syrian Obi. Donc on en a chacun 3. Cette fois on va commencer avec ces paquets d'Extended. Avant tout, je voulais vous présenter 3 cartes que j'ai reçues encore cette semaine. Donc 2 petits Dodgers de Cole Caulfield Rookie. Donc la green et la pink de Cole Caulfield, donc pour la collection. Également une belle Carey Price Second Year OPC Premier 2008-2009 Hard Sign numéroté sur 100. Donc celle-ci ici, la 47 de 100 Hard Sign, donc son ancienne signature évidemment dans son année recrue et sa deuxième saison. Donc belle petite carte ici comme ça de Carey Price pour la collection. Donc, let's go. Maintenant, on y va avec les 3 paquets de ma grand-mère. On fait un autre petit duel. L'autre fois, elle a gagné haut la main avec sa Gritty mascotte, la dernière vidéo. Et moi, j'avais eu une Cole Perfetti qui était ma meilleure. Donc, on va voir aujourd'hui si elle remporte encore le petit duel ou si c'est à mon tour. Si on est égal ou quoi. On va regarder ça ensemble. On va avec le premier pack d'Extended. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une Young Gun de Riley Tufti. Donc, une petite Riley Tufti. Déjà, une petite Young Gun pour elle. Ça commence bien. Young Gun. Au fond, on a eu quelques Young Gun également, mais pas rien de gros à part la Cole Perfetti rétro. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. On a eu une belle Gritty mascotte dans l'Extended. Avec son deuxième pack d'Extended à elle. Qu'est-ce qu'on a? On a une Connor McDavid rétro. Let's go. Nice quand même. Petite McDavid, ça se prend toujours bien. Donc, pas mal la meilleure rétro de base à avoir autre que les Young Gun rétro. Je pense pas qu'on va avoir d'autres Young Gun rétro par exemple aujourd'hui. Ces packs-là d'Extended viennent de la même boîte en fait. Mais on sait jamais, on peut avoir d'autres hits. On a une Dodgers Pink ici de Mark Scheifele. Mark Scheifele, Dodgers Pink. Les Pinks sont quand même assez rares. Je crois que c'est une des plus rares par les Reds que tu peux avoir, je pense, dans les Blasters, je crois. Donc une petite Dodgers Pink de Mark Scheifele ici pour elle. Maintenant, on va y aller avec mes 3 packs d'Extended, voir qu'est-ce que je chope dans mes packs. Ensuite, on va y aller avec ses Syriens et mes Syriens par la suite. Donc, on va avec mon pack d'Extended, mon premier. On y va avec une Young Gun de Joshian Slavin. J'ai tout le temps la misère avec son nom. Joshian Slavin. Ça fait comme 3-4 fois que je le pogne. Donc, notre petite Young Gun ici. Ma première Young Gun ici. Avec mon deuxième pack d'Extended. Donc, jusqu'à présent, je dirais qu'elle remporte. Avec sa première Young Gun, vise ma première Young Gun, la Riley Tufti, probablement meilleure. On a une Tanner Jarnot ici, Holo Grief FX. Donc, une petite recrue ici, Tanner Jarnot. Recrue quand même assez solide. Jarnot, par exemple, qui a connu toute une saison pareille avec les Preds. Donc, on y va avec mon prochain. Qu'est-ce qu'on a? Oh yeah, let's go! Let's go! Une Lucas Redman sur 299 XPX Finite. Donc, c'est ma deuxième comme ça. Donc, l'autre, elle n'est même pas partie encore. Elle est toujours disponible. Donc, j'en ai une deuxième. Lucas Raymond SPX. Donc, je crois que jusqu'à présent, je remporte le duel dans ces 3 premiers packs d'Extended. Et moi, dans mes 3 premiers packs avec la Lucas Raymond, c'est très cool. Maintenant, on y va avec le Upper Deck Syrien. Oublie, est-ce qu'on peut choper une grosse Young Gun ou un gros hit? On a la chance d'avoir du Caulfield, du Zgrass, entre autres Young Gun là-dedans. Donc, on y va avec son premier. On a une Honor Roll de Artemi Panarin, ici, Honor Roll. Avec son deuxième pack de Syrien. Ensuite, j'ouvrirai les miens pour voir ce qui se cache là-dedans. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques Young Guns, la chasse aux Young Guns, encore une fois, aujourd'hui, avec du Upper Deck. Donc, on y va avec son prochain pack. L'autre, il est mal ouvert. On a une Dodgers, ici, de Sidney Crosby Blue. Sidney Crosby Dodgers Blue. Donc, une petite Crosby également, ça se prend bien, un peu comme les McDavid, ça se prend toujours bien, une petite insert de Crosby. Mais jusqu'à présent, je crois que je remporte toujours le duel, mais c'est son dernier pack. On va voir qu'est-ce qui se cache ici, on ne sait jamais. On a un gun. Oh! Cole Caulfield, let's go! Cole Caulfield, Young Gun. Donc, je viens de perdre le duel, grand-maman. Tu viens de pogner une belle Cole Caulfield, Young Gun. Donc, wow, let's go! Une belle Caulfield, Young Gun à son troisième pack. De Upper Deck Syrien. C'était de la base. Donc, Cole Caulfield qui est le hit jusqu'à présent aujourd'hui. Je pense pas qu'on va sortir une autre grosse carte aussi bonne que celle-là.
Puis elle est quand même très belle, assez mint, pour comparativement à d'autres cartes que j'ai vues. C'est sûr, le Upper Deck C1, il est toujours... c'est rare que tu sors des 9 ou des 10. Ben, des 9.5 ou des 10 avec Beckett ou PSA. Mais bon, elle est quand même très belle, la petite Cole Caulfield. Donc, petite Cole Caulfield qui se pointe le nez ici. Maintenant, il va avec mon prochain pack. Mon premier pack, on a une Dylan Larkin électromagnétique. Je pense pas pouvoir coter ça. Faudra avoir une Z-Grass pas mal dans la même boîte. Des packs dans la même boîte, ça me surprendrait bien gros. Fait qu'on a une Cole Caulfield ici. Ensuite, on y va avec le prochain pack. On a une Young Gun de Ollie Aslin. Petite Young Gun ici. Il y a une bien gros, malheureusement, pour ma part, jusqu'à présent. Et on va y aller avec mon dernier pack. Mais je crois bien que la Cole Caulfield sera le hit de l'ouverture aujourd'hui. Très content qu'on ait chopé une belle Cole Caulfield Young Gun. Va être notre prochain pack. Mon prochain pack, on a seulement une Yuri Portrait de Jakub Voracek. Donc, c'est ce qui conclut l'ouverture d'aujourd'hui. Voici mon résultat. Ma meilleure, sans doute, Lucas Redmond, assurément. Et elle, évidemment, bien sûr, la Cole Caulfield Young Gun. Elle a eu quand même des papyrites. Crosby Dalzers, Mark Shai Flipping et Connor McDavid Retro. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment content. La petite Cole Caulfield, ça fait vraiment plaisir d'avoir chopé ça aujourd'hui. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. À bientôt.